Out of my way. I said get out of my way. I ain't got the time for you lies in the way. All this shit you talking, get it out of my head. I don't trust a fucking single word that you say. Look into my eyes now, who do you think I am? Think you're going for me when your nickname scam? All of your shit feel like a sham. What about your ticket on lamb? Hey, man, I heard your story, hey. Can't talk about glory, hey. Stitch betrayed my homie, hey. Now you in my carry with a Glock gonna blow your back. Nibble my snack, all the balls gonna get their smack. Face been looking like a monkey on crack. You could go through all I said. If you're crazy enough to stay, I'll send they get on my way. Just as after you today, yeah. So get out of my way. I say get out of my way. I ain't got the time for you lies in the way. All this shit you talking, get it out of my head. I don't trust a fucking single word that you say. Look into my fucking eyes now. Hey. You want me to trust you, then you gotta show me the sacrifices you would do for me. No need to be killing a man to revile, show up to the good for me. And I get rid of in your bones if you don't kinda be dropping bombs. Don't be surprised all I'm fucking moms. When you go home, go and buy some bombs. Tend to be trusting nobody, and all I can say is I've never been wrong. Betrayal's disgusting, but when you prepare for, you know he ain't running along. It's when this shit happens that you realize that we want to be walking along. But only one wants to, and you never forget the reason I'm writing a song, ayy. So get out of my way. I say get out of my way, ayy. I say get out of my way. I ain't got the time for your lies in the way. All this shit you talking, get it out of my head. Talking a lot, don't do much. Acting interested, but I know you're trying to impress them. Won't ask you to judge. You're stressing me out, guess you're missing it. Double suppressing the blessings your brothers deserve. Expressing your thoughts to yourself and this thought is repressing. Rebelling your mother and girls. Talking about girls was the last time and so on. You gotta feel lonely, but you're pleasing no one. Well, you gotta act like the bodies are tough one. When you are the one of the ending, what's wrong can I say? Don't be coming to me like you're better than us all. I treat you back in space like a fucking tennis ball. Et bonsoir à tous et à toutes, ici Dorage TV pour vous servir. Je serai en compagnie de Enra, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Et ce soir, on se retrouve pour cast justement de match entre les homies, les Dragon Homies et la O'Square. Je ne vais pas détruire leur nom d'équipe, il est trop spécial pour qu'il soit détruit comme ça. Avec trop de sens, je suppose. Et du coup, ce soir, on se retrouve pour un match justement qui sera de la poule 3 semi-pro, qui aura quand même deux belles équipes devant nous, quand même, Enra. Oui, exactement, totalement, oui. Tu veux que je fasse un peu la présentation des teams ? Oui, vas-y, avec plaisir. Oui. Bah alors, c'est parti. Alors, pour la E-Square, nous avons en tank Bebe. Pour les DPS, il y aura Rain et Polo. En heal, nous avons Dedenu et Garfouk. Mais il ne faut surtout pas oublier le directeur X-Sport qui est Black Over et Wifu qui est le coach de la team. Alors aujourd'hui, ils ont fait un match, une victoire contre la GG Pac-Count 3-0. Passons maintenant à Dragon's Homies. Nous avons en tant que T-Roz qui est main diva. Les deux DPS sont Wargla, Bidou et Cloud. Et en heal, nous avons Bakara et Otaka. Otaka. Excusez-moi. Otakao. Et il ne faut surtout pas oublier le président Esperita et Alicia, la manageuse, ainsi que le directeur e-sport Strong World DJ. Donc eux, par contre, ils ont fait trois matchs. Ils ont fait une égalité contre la team Ratatouille 2-2, une victoire 3-0 contre l'Apa Gang
et une victoire 3-0 contre la GG Pat Count. La même team qu'ils ont gagné les Squares. Voilà. C'est ça. On peut voir quand même que ça va être un match assez serré. On peut voir qu'ils ont quand même gagné à deux fois l'équipe, 3-3 chacune. Et du coup, on va pouvoir partir. Je rappelle que c'est un FT3 et que on a un map pool assez varié. À part la première map qui sera du coup Péninsule Antarctica. En sachant que cette map quand même a plusieurs petites mini-maps hein, que je vais vous présenter. Nous avons le labo, le sous-sol et le brise-glace avec ce magnifique bateau qu'on a justement en présentation. Et ça va partir directement justement pour sous-sol, mon ami. Oui, oui, totalement, oui. En général, ce genre de carte n'est pas vraiment apprécié des joueurs. C'est une carte que personne aime jouer. Ah, moi, je l'adore cette map, hein. Ouais, et bon, après, j'ai l'impression que là, ça fait plusieurs castes qu'on fait, et en général, cette carte revient assez souvent. C'est la première qui est obligatoire, oui. Oui, d'accord. Donc c'est peut-être pour ça, alors. ça doit être pour ça, justement, que cette map est obligatoire. Attention, ça commence. Ouais, c'est ça. Et au niveau des compositions, nous avons... pas une miroir, nous avons complètement deux styles différents des deux équipes. Nous avons déjà les homies, si je ne dis pas de bêtises, qui sont à notre gauche en bleu. Ça va être un Reinhardt, un Baptiste avec un Lucio, accompagné d'une Sojourner. Du coup, c'est une composition assez Broly, assez dans l'agression et justement position de speed avec un Wally. De l'autre côté, ben, on a une autre version de la Broly, on a une version... ou avec une Zarya, avec pas de shield mais avec 10 bulles pour se charger, comme ça le tank sera un peu plus présent. Et dommage justement pour Zarya car Reinhardt counter très bien ça. Oui, tout à fait, oui. Reinhardt est le counter de Zarya, donc ça va être compliqué hein, pour le tank Zarya. La belle séparation, Overworld. Pour l'instant, il y a des bons focus. Ça arrive à survivre dans les deux cas. Attention, on n'a plus d'immortalité, justement, côté de Omiz. Et ça va tomber sous les coups, justement, du Reaper de Poyo, malheureusement. Et premier teamfight remporté, même si The Cloud va prendre quand même un petit kill, quand même, avant de partir ses pieds sous terre. Et ça va être premier teamfight remporté, justement, par les Esquire. Ça garde les hauteurs, hein. Ça garde toujours les hauteurs. Côté E-Square. Ouais, au niveau des ultimates, on est quasiment à 50% de partout. Il y a juste Garfouk avec sa Moira qui est en avance à 70%. Ça va avancer avec un GS Plus. On a plus de plus. Attention au Reaper qui va focus directement ce bâtiment dans la back-end. Et ça va réussir à survivre grâce à l'immortalité. Et Teros avec son Reinhardt qui va prendre un premier kill. Ça va être accompagné justement de The Cloud et de Baraka. Et Diludo et Rontu qui sont toujours présents, toujours vivants et qui vont prendre quand même deux kills justement sur le bâtiment cette nuit des Oumis. Il se va tomber de Diludo et malheureusement. Ça va pas beaucoup, ça a été le mauvais sort pour gagner le plus de pourcentage possible. Et nous allons gratter jusqu'à 41%. 42 ? Eh ben 42%. Côté ultimate, justement, on a bientôt celui de Teros et de son Reinhardt. On a Otako qui le suit de proche avec sa Mei et son Lucio. Et de l'autre côté, on a bientôt le Reaper à 80%, on a bientôt une Blade et la Moira qui va pouvoir mettre beaucoup de pression. On va se mettre à l'intérieur côté des squares, ça va essayer de trouver des solutions, ça va charger du ultimate et charger cette Zarya. On va les bloquer avec un joli glaçon, ça va reculer tranquillement. Attention, on va speedboost, on va engager justement avec la Moira qui esquive justement ce shutter et la Blade. On va pas pouvoir faire de kill, on a répondu justement avec le Bizarre et The Cloud qui va faire un magnifique double kill là-dessus. C'est Rose qui va prendre aussi la Moira qui n'avait plus de dash car elle avait utilisé pour esquiver le shutter justement de Teros. Et ça va reculer pour le reste et du coup nous avons remonté la pente. Nous sommes maintenant à 46%. Et oui, deuxième team fight remporté par la team. Donc ils commencent à avoir un certain avantage au niveau de la game. Attention à son Reinhardt qui est de Thérèse qui est un peu trop isolé, ça y est, on va pouvoir le sauver. Et The Cloud qui va magnifiquement poche justement, Renkuto qui va prendre le kill, Barca qui va aussi faire un magnifique book et prendre le kill sur Polo. The Cloud qui va prendre un deuxième kill là-dessus avec sa Sojourner.
et on dilait ses adversaires pour justement essayer de prendre le plus de temps possible. Nous sommes à 80% maintenant et au niveau des ultimates, nous en avons 2 et à 5% près 3 côté e-square et on a soit de The Cloud et bientôt sur de Theros et de son Reinhardt côté Homies. Ça commence à s'avancer, on va pouvoir prendre des positions, on va avancer. Attention, ce gens qui va utiliser son ultimate, on va répondre justement avec le graviton qui a été envoyé. Ouais, et la graviton, belle graviton en solo, mais malheureusement on va pas pouvoir prendre ce kill. Otar qui va prendre une magnifique kill justement sur le Genji qui venait d'agresser, The Cloud avec Excuse-moi, t'as été envoyé, qui a pas fait mouche. Non, ça n'a pas fait bouge malheureusement, il y a le shooter qui va prendre un magnifique kill là-dessus. Et ça sera la map terminée, la mini-map terminée de sous-sol, remportée justement par nos chers homies. Score 1-0. Et nous allons partir sur cette nouvelle map qui sera le laboratoire. Cette map hein, qui va quand même donner des avantages à certaines compositions, n'est-ce pas mon cher ami? Oui, bah là c'est une carte quand même plus ouverte, donc un peu plus de champ au niveau des airs, etc. Un peu moins refermé, donc peut-être que le choix des héros peut être un peu plus modifié. Bah là justement on voit des changements au niveau des tanks. On voit de chaque partie des autres, les Sigma, ils ont pris Sigma, ils ont pris. Alors je vois Baptiste, Lucio, Baptiste, Hilary de l'autre côté, et Sojourn, Symmetra, et de l'autre côté, Sojourn May, pour la composition des teams. Ça. Et on peut voir du coup la sauvegarde de l'escort de Runto qui va flanquer sur cette gauche et mettre un maximum de dégâts. On a dû forcer justement le glaçon de l'armée des homies. Ça va jouer justement sur ce top. On a un magnifique wall là-dessus. On va bloquer ce caillou justement au corps à corps. Theros qui va prendre l'espace grâce à son équipe et va pouvoir prendre le point. On va laisser le point et reprendre cette top. Oh, le magnifique wall justement qui va forcer encore une fois à back, hein, ça met juste pression. Et Ota qui va prendre un caillou et mourir sous l'écoute justement, qui va prendre aussi, pardon, pour Garfu. Dommage pour lui, et encore une fois un magnifique wall de Wargabidou avec sa mec qui met des magnifiques walls pour empêcher justement l'équipe de Square de s'exprimer. D'ailleurs, ça a pris un Lucio, ça a changé la Hilary. C'est en train de poke sur le main, ça met de la pression, hein, bien évidemment, c'est normal au niveau des compositions. Nous avons le Blizzard avec la matrice amplificatrice bientôt côté Omis, et d'autre côté, nous avons aussi la matrice bientôt ici justement de Sigma, où ça utilise les deux fenêtres des deux côtés. On a voulu un wall, on utilise une magnifique hutte de Sigma, mais maintenant ça va être conseillé justement par un magnifique caillou de Bubux et de son Sigma, un partout actuellement, Wargabidou qui prend un kill qui va se faire tomber derrière par Symmetra, de Polo, Runtu qui a été un peu trop loin et qui va se faire punir justement par Cloud, une ultimate justement de notre Bubux qui va prendre deux personnes en l'air, qui va pas pouvoir jouer, mais il va mettre quand même beaucoup de pression et de dégâts. Polo qui prend un kill justement sur Tero, nous avons toujours Cloud avec sa petite cible, avec son. Toujours qui va prendre un main qui est là-dessus, Bakar va prendre une question sur le Sigma. Et malheureusement, on a des nous qui a pris Hilary et qui est revenu le plus rapidement possible. Et on a toujours Polo avec Symmetra qui a quand même fait beaucoup de dégâts. Il reprise le point par l'I-Square. Avec du côté Square, ils ont deux ultis, Symmetra et Hilary. Ils n'ont pas encore plaqué, par contre ils ont un avantage au niveau des ressources de l'autre côté avec 3 ultis en poche. Exactement, ça commence à bien jouer ce top, on a mis un magnifique wall, on a pu mettre un joli caillou et on va forcer justement ce Blizzard. Polo n'aura pas le temps de mettre son TP et de se téléporter. Et The Cloud qui a fait un magnifique triple kill là-dessus vu qu'il était de l'autre côté. Ouais. Il avait vraiment la vue sur les Champs-Élysées en haut de son appart du 16e. Ouais, je pense qu'il va avoir la POTG, hein. Je pense. Ah, avec peut-être. Ce 90%, il faudra aller toucher ce point le plus rapidement possible. On a récupéré une tresseur côté Runto. Et c'est ça qui va aller justement aller toucher le point. On va passer par en dessous. On s'est fait wall justement par la Symmetra, par la main. On va mettre wall de Symmetra justement sur le point. Theros qui va
prendre le kill justement avec le caillou sur le box, sur ses mortalités, on nous fait la window côté Baptiste justement, il était Rose et Otaka qui font un excellent travail là-dessus, et qui vont prendre justement cette deuxième mini-map, et c'est la première map récupérée justement par les Oumiz. Mais qui l'emporte? Ouais, c'est ça, ils n'emportent d'une belle façon, ils ont très bien contrôlé justement l'espace pour pouvoir leur donner leur avantage. Et ça sera du coup un POTG du coup de The Clever. Ouais, ça doit être la moins 3. Hein. Ouais, voilà. Magnifique geste, très bien exécuté. On peut dire, tout est beau là-dedans. Il n'y a rien à dire. Ouais, c'était bien, on avait bonne prise de décision, on a décidé justement de tirer dans les personnes gelées, on est justement revenu sur notre petite... On est revenu sur ce top à droite parce qu'il y avait assez de gens qui étaient aussi en lutte, on l'a surpris, on l'a forcé à back et on l'a eu dans les airs. Mais sinon, en tout cas, les escouades qui se sont bien défendus et les Oumiz qui ont très bien su gérer leur positionnement et la gestion des ressources. On va partir sur la prochaine map, on réfléchit et ça va partir sur Blizzard World. Blizzard World, hein, est-ce que tu peux me parler un peu de cette map, mon cher ami? Ah oui, c'est... moi je trouve que c'est la carte que je préfère. Blizzard World, c'est une magnifique carte. Un petit clin d'œil aussi à World of Warcraft. Hein. On peut avoir des orques un peu partout, un peu médiéval aussi. C'est ce côté médiéval qui est un peu sympathique. En plus, ça va, je pense, se faire peut-être dans le noir. Donc, une ambiance assez sympa. Donc, après, bon, ce qu'on peut dire, c'est que quand tu arrives en attaque sur Blizzard World, il y a un long couloir, donc le choix du tank, je pense que ça va être sûrement un tank avec un shield. Après, à voir ce qu'ils vont décider, est-ce qu'ils vont plutôt choisir un tank avec un shield ou un tank qui va dive et qui va aller directement au point, ça va se demander. Je sais pas, ce que tu en penses, toi, de ton côté. Cette map, c'est une map typiquement Sigma. C'est Sigma qu'on voit le plus souvent sur cette map. On change quand même les positions. De la part des deux côtés, ça sera du coup, si je dis pas de bêtises, c'est la E-Square qui va justement être en défense sur cette première map, deuxième map, qui est Blizzard World, et ça sera justement les Homies qui seront en attaque. Du coup, ouais, c'est une map typiquement Sigma, c'est le pick favori de cette map, c'est le pick incontesté actuellement en tank, hein, car actuellement, si on veut monter en tank, c'est effectivement que lui qu'on doit jouer. Bien évidemment, il y a certaines exceptions, comme à chaque fois. Mais si on le maîtrise bien, on peut quasiment jouer sur toutes les maps. Au niveau des compositions, nous avons déjà la composition de défense des E-Square. Ça va être justement un Sigma avec une Illari. Illari, très bon healer au niveau des dégâts, car il peut two shot un DPS ou un heal à lui tout seul avec une facilité déconcertante comme Kiriko. Nous avons un Baptiste qui va l'accompagner et on aura justement Sojourn s'y mettra. Sojourn pour ce poke à distance, s'y mettra aussi pour un tout petit peu de poke mais pour ce contrôle de map avec ses tourelles et ses TP. Et ses TP qui peuvent vraiment donner l'avantage à son équipe. Et de l'autre côté, on aura aussi ce Sigma, Sojourn, ce Lucio, cette mai, et ce Baptiste. On a une composition un peu plus atypique, hein, côté Oumiz, avec cette mai Lucio et mélangé à Sigma. Ça peut être vraiment un très bon mélange, parce que un bon shield de Sigma et on peut passer. Ça donne rapidement les positions, justement. On a préféré justement un TP côté E-Square comparé au Speed Boost, qui a ses avantages et ses inconvénients dans les deux cas. Et on peut voir justement les amis d'Omiz qui font le grand tour et qui vont aller au corps à corps. On a mis un TP, on s'était fou malheureusement, où on arrive à s'en sortir côté Dédé. Dédé qui a raté malheureusement son TP à cause du bouffe de Lucio. Et le wall bien placé. C'est Rose qui va prendre le magnifique kill sur Polo et son Sigma.
ça va mettre beaucoup de pression. Xiao qui va prendre un kick sur son vis-à-vis de ce jaune. Et ça, on n'a pas pu contester ce point. Là, on a pris un 100-0 une fois direct. On leur laisse pas le temps de respirer à CI Square. Oui, le point qui a été pris assez rapidement, je trouve. Et on a des changements. Je pense qu'au niveau de l'attaque, ils étaient très bien préparés. Hein. C'était vraiment très beau à voir. Le TP qui n'a pas été aussi efficace que ça. On a un petit changement côté E-Square. On a gardé cette chose jaune, mais on a enlevé cette Symmetra pour mettre justement une hache. Et on a une petite merci. Et c'était à la thèse de Hidaris. Oui, c'est tout à fait ça. C'est totalement ça. On a mis un titre de bâti justement pour essayer de prendre les positions côté E-Square. On a réussi à se regrouper. Je crois qu'on a pris un petit kill, mais j'en suis pas sûr. Et pourtant, ça se regroupe. Et ouh, Rock Debut qui prend un magnifique kill justement sur Polo. Heureusement qu'on a une merci. Thérèse, ou attention, ça va utiliser l'utilité de Jean et la matrice certificatrice justement du bâti. Ça va mettre beaucoup de pression. On va prendre l'espace justement sur ce top. Et on va lever, c'est d'ailleurs ce top. Et ouh, The Tel qui va prendre un magnifique kill justement sur Polo. Deuxième kill sur sa merci. Très belle ingaise, en tout cas très beau double kill là-dessus de The Clap, triple kill, on va prendre justement ce Sigma grâce au coup droit encore une fois, The Clap qui fait un quadruplé, attention! Attention Cloud qui en a marre et qui veut tuer. Oui vraiment une grosse domination de la part de cette équipe, c'est... Lucio qui est resté sur le pélo de début jusqu'à la fin pour amener le convoi jusqu'au deuxième checkpoint. Et ouais, on va pas pouvoir retoucher ça, on va utiliser quand même le Bob, on utilise le jeu de ciment, on utilise quand même beaucoup. Polo qui va faire un double kill grâce au Bob, on va pas réussir ce raid justement, on a été cancel. DD qui est mort sous les coups de Cloud. Et attention, on a justement Combat Rose avec son Sigma. On avait un parce qu'il se fait en même temps agresser par la hache et qu'il va tomber. Mais Bebe aussi sera tombé sous les coups du DPS de Omiz. Et du coup, pour l'instant, là, les Omiz et The Cloud qui est vraiment incontesté de king de cette map qui arrive vraiment à faire avancer son équipe très rapidement. Ouais, ça va être compliqué hein, pour notre équipe de résister à cette pression qui est exercée. Et on voit la saut de jaune qui est au top là. Il prend les hauteurs justement pour essayer de prendre un pic. C'est ça, Runto avec la saut de jaune, qui a son ultimate comme The Cloud. À voir qui va le mieux utiliser. On va avancer en utilisant justement ce bizarre. On va prendre justement Lucky sur Bebe et sur Runto et Garth. Et Garsouk qui a pas pu justement s'en sortir et qui est mort. Même si on arrive à faire un raise, on va mourir justement juste après. On va beat pour la fin. Et ça sera un 3 minutes 56 sur counter pour les homies. Ah, très très dur hein, pour l'équipe E-Square. Je pense que ça va être compliqué pour au niveau de l'attaque. Ça va être très très dur. Ah, on ne sait pas. Hein, on verra bien. Parce que des fois, il y a des teams qui aiment bien attaquer que défendre. Parce que défendre, ça leur casse les pieds. Et il y en a d'autres qui préfèrent. Bah voilà. Donc peut-être que ça va faire pareil sur la seconde manche. On verra bien. Peut-être qu'ils sont mieux préparés en attaque qu'en défense. Et peut-être qu'on aura. On verra bien. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être différentes. Hein. Il peut y avoir des surprises. Ouais, on attend des surprises et. On peut voir que justement, c'est Square en attaque, ils ne vont pas partir sur la même composition. Ils vont partir sur une composition un peu plus divey avec une Diva Tresseur, Genji, Kiriko, Moira, qui viennent vraiment chercher cette backlane au plus profond de la backlane ennemie et qui va justement s'enfuir, qui va justement pouvoir partir. Et de l'autre côté, on va prendre la même composition qu'on attaque, vu qu'on n'a pas eu besoin de changer pour attaque. Pourquoi changer pour la défense? On va rester avec Lucio, justement, qui permet justement aux homies de pouvoir justement se mouvoir sur cette map le plus rapidement possible et surtout ensemble quand c'est bien fait. Bon, il faut savoir que Sigma est le counter de Diva, donc j'espère, on verra bien comment il va se débrouiller, Bebe, pour.
pour essayer de gérer la chose, mais bon, on va voir comment ça va se passer là. Et là, là le combat commence, et c'est parti. On arrive dans l'arène. Ouais. Donc ça avance, ça va prendre les hauteurs en priorité. On essaie de, justement de recharger ses cooldowns et de trouver le bon timing pour pouvoir agresser, justement de faire du repérage, de savoir où sont justement cette petite back-end. On va essayer de focus justement sur Baptiste. Attention au caillou. On va se faire un caillou côté Genji, mais on va s'en sortir. On essaie de passer sur la gauche. Attention, on dash justement sur ce top dans la back lane pour mettre de la pression. La saut de gens qui est obligé de dash out. Est-ce qu'on va mourir? Mais de l'autre côté, on a Wargabidou qui va prendre la magnifique qui justement sera qui s'était perdu. Rundo qui va finalement prendre Taoud. On a fait l'immortalité. Côté U-Square, enfin côté Umi, pardon. Et Podo qui va faire un double kill avec sa tresseur. Et malheureusement, on sera 10 mecs côté Bebe et on va mourir sous les coups de T-Rose. Wargamidou qui va tuer Irivan et venger justement Théomise parce qu'il l'a tué. C'est très sûr. Donc, premier teamfight perdu de la part des attaquants. Il faudra qu'ils se regroupent. Bah, ça se passe pas de la même façon que quand l'autre équipe a attaqué. Donc, ça, c'est compliqué, hein, je trouve. Du côté c'est compliqué, histoire. Ouais c'est compliqué, mais on a bientôt des ultimates, on a bientôt cette plus de tresseurs dans une trentaine de pourcents. Mais de l'autre côté on a bien on a quasiment on a de bizarres. Attention à ne pas se faire surprendre face au bizarre. Et on a une diva qui va pouvoir gober ça et The Cloud qui va se sortir de cette dive et prendre un kill justement sur Kito. On a vu d'immortalité, Ota qui va mourir sur le justement de cette Moira ou Wargame. Qui prend un magnifique kill comme ce BD qui s'était perdu, il est monté au top de son wall. Cloud qui va prendre un magnifique kill, double kill, et Wargabidou double kill lui aussi. Pour l'instant, il gère cette défense déjà plus que 2 minutes. Oui, deuxième team fight perdu par la team E-Square. C'est compliqué, compliqué. J'espère qu'ils vont y arriver là. Et après, et ils ont sûrement des ultas, ils ont une convalescence qui est prête, une puce qui est prête à être posée. Une blade qui s'annonce aussi. Donc, faut voir. Et il y a un changement de tank. Et changement de tank aussi. C'est ouais. Transformé en Zarya. La diva s'est transformée en Zarya. C'est ça, mais malheureusement, le problème, c'est que là, on a tous les outils côté justement Léomise. On va en utiliser beaucoup. Un pour deux pour l'instant. En avantage pour l'instant. Pour Léomise, il va faire beaucoup de pression, beaucoup de dégâts. On va prendre le kill justement sur ce Baptiste. Mais cela ne va pas suffire. Ils ne sont plus que deux. On a plus de recoil côté tresseur de Podo. On va devoir reculer. Et sur les groupes, plus qu'une minute déjà. Et il nous reste encore deux utilis hein, côté Léomise. Et de l'autre côté, on a que cette blade. Faut l'accompagner de deux petites bulles. Attention, justement, on a justement encore ce bizarre. Et juste le tracut a bien été fait. On sait qu'il y a le bizarre. Et on sait que il faut focus aussi cette nuit. Avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Il y a un petit regroupement de la part des Square. On a pris un Reaper à la place de Tresseur de Podo d'ailleurs. Exactement. Ça va push The Cloud. The Cloud est mort. Attention, on va utiliser le Blizzard, la Blade. On va réussir quand même à prendre un double kill. On va utiliser la Bidou qui a pris un premier kill justement sur cette Zarya. Le Genji qui ne va pas mourir, il a réussi à s'en sortir. Il va mourir. Elle va mourir sur les coups du drain de Moira, le dash qui va prendre Baccara. Et on a enfin réussi à prendre justement ce point côté E-Square avec difficulté. Et voilà, ça a été validé, ça y est, ils ont premier le premier checkpoint. Il faut voir la suite mon cher ami. On va voir comment ça va se passer. Peut-être qu'ils ont trouvé la bonne compo qui permet un petit peu de counter cette équipe. Ouais, on a pris un Lucio aussi côté DD. Il y a comme licence qui a été envoyée. On a bientôt un vite, la licence qui fait beaucoup de dégâts. Attention, The Cloud qui a un ultimate, qui est dans la mêlée. Il va réussir à prendre le kill sur Bubble. On a justement l'ultimate de DD et celui de Baccara qui va suivre juste derrière. On a la fenêtre en petite cicatrice et l'ulti de Sigma. Il y a beaucoup d'ultes qui ont été utilisés. Beaucoup de ressources. Et malheureusement, l'ult de Sigma ne connectera pas. Il a raté justement d'attraper quelqu'un, le caillou qui va passer à côté de Polo. Et ça va reprendre les positions, ça va re-avancer. On met cette bûche justement sur ce Lucio pour qu'il puisse bien avancer. Attention, la belle grave, 3 personnes dedans. Il faut détruire cette immortalité. Et puis c'est faire plus de dégâts possible. DD qui fait un magnifique kill. Malheureusement, on va perdre Polo dans cette bataille avec un magnifique caillou de la part de T-Rose.
On joue avec ce pli là, côté terreau justement, on essaie de s'en sortir côté bébé, mais malheureusement personne n'est avec lui. On focus les mêmes targets, ils font focus les mêmes targets, mes chers amis. Vous êtes 4, c'est 4 contre 1 actuellement contre ce Sigma. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Oui, il est tombé. Mais Dabia aussi, il est tombé. Bubble est aussi tombé sur les coups de la main, un petit piquet glace dans la tête. Mais on continue quand même à bouger ce bois. Attention, un pot d'eau. TP aussi sur ce top, on est 3 au top, on essaie de prendre des positions, 3 sur ce pays pour avancer le plus rapidement possible. Et la mec est au top, la mec est au top avec le Lucio et le Baptiste et la Sojourn aussi. Attention, le teamfight continue. Alors Gabidou qui a pris un magnifique double kill là-dessus, qui débloque la situation, Kao qui va dessus justement en prenant ce Lucio, et ça va aller les chercher au spawn. On a The Cloud qui est de et on a Bebe, Bebe qui s'était caché justement pour pas se faire dealer. 30 secondes avant de pouvoir toucher, on a quand même beaucoup de mobilité, on va pouvoir monter je pense sur cette top pour pouvoir toucher le point. Attention, ça va foncer directement, on a du team des deux côtés, attention on se... On a fait caillou côté Moira, mais ça va pas suffire. On va être mourir. Et Polo qui va faire un magnifique double, qui va faire un kill là-dessus, qui va découvrir une éventualité et de Baptiste en même temps. Nous allons mourir sur les coups de Cloud. Qui a été récupéré justement pour une tour. Et nous avons justement les Squares qui ont fait un beau shoot justement pour cette attaque pour essayer de survivre le plus possible. On a encore la Blade et la Coalescence. Et on va récupérer justement le Galaxy qui a pris le kill justement sur le mais le convoi qui continue à avancer. C'est ça, continue à avancer petit à petit. Là, la blade qui a envoyé. Attention. Ouais, malheureusement, est-ce que ça va pouvoir suffire à faire des dégâts? Malheureusement, ça va pas suffire. Malheureusement. Non. Et les Homes, ils l'emportent. GG. Ah, ils ont très bien joué d'aller au mise, ils ont su faire des choses. Et là, ça va être The Clown juste qui va... Deuxième POTG, deuxième POTG. Je pense que c'est... Ça va être le... Peut-être, hein. Ouais. Même si c'est... C'était perdu, j'ai l'impression. La Moira qui s'était caché derrière le payload, et malheureusement, bah, on avait la petite tête qui dépassait. On a puni instantanément côté Cloud. Du coup, on va partir sur cette troisième map qui sera une flashpoint, mon cher ami. Une nouvelle map de jeu. C'est Suravasa. C'est ça, ça va être sur Suravasa. Suravasa, une map qu'on a pu voir déjà, où justement, si on prend d'autres matchs, la synergie que j'avais pu cast n'avait pas pu justement prendre cette map. Et c'est la seule map qu'ils ont perdue du match. Ils ont gagné 3-1. Là, en composition, tu t'attends à quoi, mon cher ami, sur cette map? Je pense que, bon, en général, on prend une composition plutôt dive, plutôt pour être le plus rapide d'un point à un autre. La composition rush peut être aussi intéressante aussi, mais pour moi, je prendrai une compo dive pour être le plus rapide possible, quoi. C'est ce que je ferais. Et toi, de ton côté? Et moi, de mon côté, je pense que toutes les compositions sont bien. L'importance, pour moi, il faut jouer un peu cette map qu'on dit comme un peu... j'ai oublié le nom. Comme une map classique comme Péninsule Ibérique, c'est avec le pont au milieu. Une point de contrôle. La point de contrôle, comme un point de contrôle, d'accord. Ouais, je passe. C'est un peu le même objectif, c'est contrôler un point jusqu'au bout. Là, certes, il y a plusieurs points. Oui, on va pouvoir avoir des timings différents, de savoir après, avant, mais la map est beaucoup plus ouverte. Du coup, moi, j'adore la bro, du coup, j'adore en voir, mais la dive se fait aussi, et la poke, un peu moins, vu qu'il faut beaucoup plus aller à l'agression. Côté composition, on me fait mentir côté omise, on prend un Sigma, on prend la même composition justement que sur Blizzard World. Bah je pense qu'ils ont pris la même compo sur toutes les cartes, hein. Les mêmes personnages. Non c'était pas pareil parce qu'ils ont aussi pris Rain tout à l'heure. Mais de l'autre côté, on a pris la même composition qu'on avait sur cette dernière attaque de Blizzard World avec cette Zarya, Reyna sans la mêche. Et on avance, Runto qui va prendre un magnifique double qui là-dessus, 2 pour 2, 3 pour 3 actuellement des noms, mais malheureusement on va pas pour... On sera pas assez malheureusement. Il y a eu 3 pour 4, pardon, excusez-moi.
Et c'est les Oumis qui vont récupérer ce premier point. Pour l'instant, ça se met en très bonne position. Des ultimates qui sont à 50% des deux côtés et 60% même côté Oumis. On a bien chargé. Ça poke bien, ça essaie justement de trouver des solutions. Runto qui va venir agresser justement Otak avec justement son Baptiste et il va tomber. On a eu une début de défense justement de Azaria pour aider Runto. Runto qui fait un magnifique double kill là-dessus, il va tomber pour les coups de Zoktard. Baccara qui est sur le point, qui fait des petites gauches droites, mais ça va pas suffire. Il va temporiser le plus de temps possible. Wargabidou qui temporise extrêmement bien, il met un wall, il se glaive son, il tempo ses CD et on va monter à 81% côté Oumise. Oui, donc ouais, il va falloir vraiment bien défendre le point là, parce que là 80% il manque pas grand chose hein, pour emporter le premier point. Un teamfight ça suffira. Ensuite le Sigma pour un Reign, ça va prendre Dragon, ouais. Ça va venir agresser Donoin et Bubu qui va prendre Bubu qui est justement sur attaque. On a plus d'immortalité, Doka qui va revenge justement en tuant Bubu et malheureusement ça va se compliquer. Et Runto qui va revenge aussi en tuant justement Tero et son Reinhardt. On va utiliser la coalescence là-dessus en réponse à la lutte de ce journe. Et on a aussi utilisé le Beat, ok, côté E-Square. Nous montons à 70% côté E-Square, on a encore 3 ultimates, on a juste Azaria qui a 80%, mais c'est pas beaucoup. Et de l'autre côté, ben, nous avons aussi ultimates, les deux leaders et celui-là de Mais. Ça peut partir sur un petit bout, attention, on va faire une belle Fire Strike qui va prendre justement ce Baptiste, on va brocher pour agresser Terro qui va prendre double kill et un avec une pénia avec son gros marteau, et nous qui va retomber sous les coups. Deux solutions, Baccara qui va prendre Kodo, Zoka qui va prendre l'issue de Nindu. Et c'est bon, on est à 99%, on le reprend. Et Omis reprend la possession du point. Et là, il y a un petit regroupement, il faut qu'ils aillent vraiment très très vite. Hein, pour. Je sais pas s'ils vont avoir le temps d'aller jusqu'au point pour essayer d'aller. Ah si, des prolongations, elles sont faites, ça y est, c'est reparti, attention. Vas-y, ouais, ça va me faire. Attention, on va utiliser la Blade et le Blizzard directement sur le point. Là où Doki va prendre une magnifique skill justement de Runto qui était justement sur cette backtend. Kodo qui va utiliser son ultimate, mais Wargabidou qui va mettre beaucoup de dégâts justement sur Kodo et qui va tomber. Garfuke qui va prendre justement sur Baccara. T-Rose avec un magnifique shutter qui va aider son équipe à prendre ce premier point. Et Léomise remporte le premier point. Ouais, le premier petit point. Ça va se déplacer pour. Quelle petite map, tac, c'est celle avec la fontaine. Au niveau des ultimates, nous avons la grave justement de Bubu qui n'a pas pu utiliser le fight avant. Mais qui va pouvoir justement peut-être utiliser là-dessus. On va essayer de prendre cette hauteur, on met la pression. Ça suscite côté E-Squared d'aller plutôt sur ce point. On va essayer de récupérer ce sojourn et cette journée. Malheureusement, ça va pas être efficace. Podo qui va être récupéré justement par T-Rose. Et on va devoir reculer. Et on va se faire agresser. Attention au ping, on recule. Et là, ça va être compliqué. Hein. Zarya contre Reinhardt, ça a toujours été compliqué. Et il faudra sans doute changer ça le plus rapidement possible, mais on a une graviton et je pense qu'on n'a pas envie de l'enlever en fait, on n'a pas envie de ne pas utiliser cette graviton, et malheureusement quand il faut faire des changements, il faut les faire. Non mais il faut balancer l'ult avant de faire le changement, c'est peut-être ça aussi, et peut-être placer l'ult au bon moment, c'est ça. Je pense que c'est pas très... Ça peut être intéressant parce que quand même on peut faire énormément de dégâts à l'intérieur avec le Reaper, avec la coalescence, mais on rappelle que maintenant grâce aux petits changements, quand on switch avec plus de 30%, on garde quand même 30%. Du coup, c'est pas à zéro qu'on tombe. Attention, on utilise de base qui a été utilisé, la graviton, on est deux à l'intérieur. Est-ce que ça va suffire? C'était balancé par Mayurab à côté, mais c'est barré. Pour redonner de la vie dans la backline, je trouve. Bah... Ota qui va prendre un magnifique kill justement sur Bebe. Baccara qui va prendre un kill justement sur Rutung et avec son boob. Et malheureusement, ça ne suffira pas. Je pense qu'on va même pas suivre cette Zarya. Non, on va rester obstiné côté E-Square et on va garder justement cette Zarya pour ce potentiel dernier point Baldeman justement pour les Oumis. Ouais, ça va être très très compliqué. Hein. Je trouve.
Mais bon. Ouais, ça bon, c'est des grands joueurs, hein, ils sont tous top 500, hein, ils savent ce qu'ils font. Hein, donc, pas sûr, hein. Pas sûr. Non, c'est pas du top 500, c'est du, quand même du haut niveau, ça doit être, je pense, du master, c'est déjà bien quand même comme niveau. Et malheureusement, je pense qu'on se précipite sans vraiment y réfléchir côté e-square, sans changer cette espèce d'arrière. On a 3 ultimates côté justement au mise à voir, on essaie de forcer justement les 2 bulles sur Bebex et il y a un shutter justement qui sera dans le wall justement de sa propre mais ça va être compliqué. The Cloud justement qui va prendre le pied encore une fois sur une zone qui est un peu seul sur cette back lane pour The Cloud qui font B. Triple kill actuellement de The Cloud, très bien joué de sa part. Et malheureusement, en tout cas malheureusement pour les chers e-square, on va encore perdre 7 points. Et les Oumis, qui disait justement, ils ont l'autorisation, ils ont le droit, c'est fait pour. Nous sommes en match, pas en entraînement. Et du coup, ça, en entraînement, c'est toujours intéressant de didier ses ennemis pour apprendre à bien les didier et avoir cette mentalité du c'est fini, c'est perdu, bah go se suicider, comme ça on se rigole le plus rapidement possible. 51-52% côté Oumiz, ça commence à s'avancer. Ça s'avance, Bubba qui utilise la deuxième bulle, attention, de wall justement, on le sieve. The Cloud qui va prendre la même city justement, chargé avec son ultimate, plus fenêtre amplificatrice, protégé par un beat. Et ça va faire un triple kill là-dessus. La BL qui ne tuera que l'immortalité 93-95 et on ne pourra pas retoucher. Et les Oumis et qui ont mis un joli 3-0 là-dessus. Ouais. Bah, GG à tous, hein, franchement. Les Oumis qui ont très bien joué. Ça sera justement un POTG. Troisième POTG. Jamais de Cloud. Et si c'est celui-là, c'est où là, on voit une belle tête, on voit justement qu'il va en faire beaucoup de dégâts, hein. C'est fenêtre avec ulti, ah, c'est ça qui est fort avec ce perso, hein. On se demande pourquoi il a été retiré de la méta pendant un moment. Et du coup, les Oumis qui ont fait un excellent match, hein. Les e-square qui ont été un peu plus... ça a été un peu plus compliqué pour eux, ils ont mis... du temps à se mettre dedans, il aurait dû avoir des switches de fait, je pense, d'après moi, sur cette, en tout cas, dernière map. Dommage pour eux, du coup. Et qu'est-ce qu'on fait, mon cher stagiaire? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je pense pas que ça sera nécessaire, non. Du coup, sur ce, je te remercie à toi, Enra, de m'avoir accompagné sur ce cast. Merci à toi aussi. C'était fort instructif. je t'en remercie. Merci encore aux stagiaires et à vous dans le chat de nous avoir regardé jusqu'au bout pour voir nos chers homies prendre ce 3-0 sur ce match. Et du coup, c'était Blue Genji pour vous servir aujourd'hui. On se retrouvera la prochaine fois. On se retrouve demain pour deux casts. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Discord pour être aux infos de toutes nos news. Et du coup, c'était Blue Genji avec Dorage TV pour vous servir.